Bonjour, Monsieur Toto. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être dans le canal Austral pour présenter un petit peu le. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et là, aujourd'hui, nous allons. Vous parlez tout seul avec... parce que vous allez regarder maintenant comment on est habillé, là, ça, deux, là. Ça va bien, hein? Mais c'est un gros plan, moi. Oui, oui. Andina Devi, hein? Puis Radji Swali, c'est ça, hein? Aujourd'hui, que le pisse est là? Oui. Aujourd'hui, on va faire la connaissance de. Alors, la connaissance de Jeannie. Donc, merci beaucoup à Jean-Claude de m'avoir invité. Donc, c'est une belle occasion pour la fête de la nouvelle année. Oui. Donc, on va préparer des nouvelles pâtisseries à cette occasion. Voilà, en tout cas, pâtisserie merci. Pâtisserie indienne. Pâtisserie indienne, non précise. On ne dit pas pâtisserie tamoule. Hein? Ah non, pâtisserie indienne. Indienne. Donc, qui vient de toute l'Inde. Qui vient de toute l'Inde. D'accord. Voilà. Donc, ça va être deux pâtisseries traditionnelles qu'on va faire. Oui, alors, on peut savoir laquelle hein? Alors, on va, avec une même préparation, on va faire deux pâtisseries. Donc, ça va être le bourbon traditionnel plus le gulab jamun dans un sirop donc bien macéré à déguster juste après le bon repas indien d'accord hein? Et où prénom c'est Jeannie voilà. Ok merci. D'accord ben nous commence la miroir où la commence fait le sirop donc alors le sirop c'est quoi c'est de l'eau et du sucre tout court Et m'a dit pour utiliser du sucre roux plutôt du sucre blanc du sucre roux voilà donc dans le traditionnel toujours on va laisser bien mijoter et puis quand les doigts commencent à coller au niveau de la cuillère, ça veut dire que le sirop est bon. D'accord. Et après, on va faire la préparation donc avec les ingrédients qu'on a là-bas. Donc, tout ce qui est farine, on va rajouter donc la cardamome, bien évidemment, plus le beurre, farine, beurre et les concentrés. D'accord. Nous va Seule suivre. Préparation. Nous va suivre, Andina. Vous savez qu'il faut mettre le doigt sur la cuillère pour éviter que ça... En fait, non, mais nous apprend puisque chaque pâtissier a ses techniques. Oh, du coup, ben voilà. Ça, c'est une des techniques qu'on va observer aujourd'hui. Oui. Toto, hein, ah, on mange beaucoup ces petits bonbons-là. En tout cas, merci. On a un petit baguette la semaine dernière, moi-même, la case. Hein. Mal compris aujourd'hui, le doigt est important. Vous jamais trop vieux pour apprendre. Oui, jamais trop vieux pour apprendre. Voilà. Et Andina, aussi, vous cuisinez un petit peu, vous faites un peu de gâteau indien. Hein? Pas vraiment. Pas vraiment, alors. Hein? C'est plutôt Radji Swali. C'est vous qui fait un petit gâteau. Hein? Elle aime bien ça. Elle aime bien. Et quel gâteau fait vous? Ben, moi, je fais un peu les gâteaux français. Et après, je fais avec mes tati, partage un peu les gâteaux indiens. Ah bon? Mais bonbon deux, bonbon piment, nous gagnons. Oui. Bonbon deux, bonbon piment, nous gagnons. Et bonbon banane aussi. Et c'est compliqué de faire bonbon piment aussi, hein? Oui, mais après, avec l'expérience, ça va. Donc, mais je veux dire, ça, c'est plutôt traditionnel, c'est pas. C'est typique. Voilà. Et dis-moi, il n'a plus besoin de mettre le poids trempé la veille comme là, non? Mais il faut toujours un petit peu au moins, il n'est pas trop dur. D'accord, alors. Et là, il rajoute encore du sucre à l'intérieur parce qu'il faut que le sirop soit meilleur. Alors, il faut vraiment, c'est un bon sirop bien bon sucré. Sirop. Voilà, c'est important de manger bien sucré. Voilà. Pour la bonne année. Mm-hmm. Toto, il est admiratif. Toto, bien accompagné. Alors, il dit toujours, il y a le sucre, le miel. Ouais. Il y a le sucre, le miel, sirop et l'amour. Alors, lesquels les plus doux? Le bonbon, le bonbon la doux, parce que c'est ça que nous ça fait. Hein? Oh là là, c'est question piège de la part de M. Toto, par contre. J'arrive pas à répondre, c'est trop compliqué pour trop moi. Trop compliqué. Ah oui, trop compliqué. Moi je dirais tout, oui? Mais Toto, apparemment, il a une préférence certainement. Non, mais c'est un ensemble, hein? Là on ne peut pas aller sans l'autre. Hein? Bon, mais là ça vous fait out sirop, il revient dans un petit instant, bon? D'accord? Ok. Alors là, c'est la préparation pour les deux pâtisseries qu'on va faire. Oui. Donc, c'est la farine mélangée avec du beurre et du lait concentré et la cardamome. Mais vois de lait concentré sucré, hein? Nestlé, hein? Oui. Comme quand nous étions petits, ça volait dans le frigidaire, quand on avait frigidaire à la case, hein? Et sinon, tu es mettre au-dessus de Bailly. Oui, hein? C'est ça. Hein? Oui. Et tes PS, deux petits trous dedans. Hein? On l'a connu ça où? J'ai connu ça aussi. D'accord, le lait concentré Nestlé. Voilà. Nestlé. Alors, vous savez pourquoi tu appelles Ali Nestlé? Aucune idée. Parce que, en fait, vous rappelez dessus, avant, on avait un petit oiseau. Effectivement. Dans un nid. Dans un nid, d'accord. En anglais, nid, c'est nest. Nid, c'est nest. Voilà. C'est le lait dans le nid. C'est le lait dans le nid. Voilà, je vais apprendre quelque chose. J'ai appris une bonne chose aujourd'hui. Hein. Bon, on nous a fait la pub pour Nestlé, mais même si ce n'était pas prévu. Hein. Mais c'est un bon produit. Donc, voilà. Et la marque, notre jeunesse, la marque à nous, depuis petit, ça. Oui. Et nous, on va grandir avec, peut-être que ça va se grandir à nous.
Ça a toujours existé. Voilà. Donc, de la farine, de l'eau. Farine, du lait concentré et du beurre et de la cardamome. Pas d'eau, hein. Et de la cardamone. Et malade aussi, tout à l'heure, qu'on écrase le cardamone nous-mêmes. Oui, hein. Avec un pilon je ou un calou. Je ne sais pas si ça se dit calou ou pilon, mais en tout cas, j'ai écrasé. Voilà, à défaut de l'ami, parce que généralement, ça se crase. Oui. Voilà. Dommage, ma farine fume. Ah, je vais faire pour une autre pâtisserie tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure. Mais bon, ok. Et là, il y a Rajeswali, tu fais quoi là? Je suis en train de surveiller le sirop. Où veille le sirop alors? Le gulab jamun. Gulab jamun. Gulab jamun. Alors, ça, c'est de la cardamone. Hein? Ça, c'est de la cardamone. Hein? Ma grand-mère m'a toujours dit, pour avoir un meilleur goût, il faut toujours écraser la cardamone. Ah, oui. Quand on n'a pas la possibilité, on achète déjà moulu. Oui. Mais quand on a la possibilité, c'est mieux d'écraser et le parfum est meilleur. Okay. Et on sent mieux quand on mange la pâtisserie. Une fois qu'on lève la coque, là, voilà, il y a une petite coque sur la cardamone. Hein? Oui, c'est ça. Et puis, on n'utilise que les graines. Que les graines à l'intérieur. Que les graines à l'intérieur. Et ça, je crois qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans le sud, qui a commencé à planter la cardamome à La Réunion. Il me semble, si je ne me trompe pas. Et apparemment, ça donne de la vraie cardamome. Voilà. Et on sait bien que la cardamome, c'est originaire de l'Inde, mais plus particulièrement du sud-ouest de l'Inde, du côté du Kerala. Du Kerala. Où on utilise énormément de. Alors, donc là, j'ai enlevé quelques petites graines. Donc, moi, on m'a toujours appris, comme un peu avec le. Comme les Indiens, donc on écrase bien. Et c'est comme ça qu'on a le beau parfum, hein, jusqu'à ce que ce soit bien fin. Et déjà, quand on commence à écraser, on sent quand même bien l'odeur et on voit qu'on peut réutiliser. Mais en tout cas, il faudra bien écraser. Et là, sur un bout de marbre comme ça, c'est l'idéal. Hein? C'est l'idéal. Donc, et en plus, ça tourne bien, ça roule bien, donc il n'y a pas de... Du coup, je ne sais pas si c'est le calou ou le pilon qu'on utilise. C'est la question que tout le monde se pose. Donc là, moi, on m'a toujours dit le calou. Après, c'est le calou. Je sais pas si c'est le calou ou le pilon, moi, on m'a toujours dit calou. Ben, grand-père te dit comme ça, il donne bon la mère, on est calou. On est calou. Voilà, on l'a retenu et moi, c'est la retenue ça. Donc, comme quoi, nos grands-parents, quand ils utilisent le vocabulaire, ils pensent que ça doit être le bon. Voilà. Donc, mais là, ça va juste tester. On va voir. Écrase un petit peu avec les doigts. Donc là, nous voit que les bien fins et que nous peut utiliser et que le parfum il remonte vraiment en narine. Ah, il sent. Bon. En tout cas, c'est ça que nous allons utiliser pour. C'est ça, on va utiliser pour une autre recette. Voilà. Et presque dans toutes les recettes de gâteau indien, on met de la cardamone. On met toujours de la cardamone. C'est une épice qui parfume bien. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas au goût de tout le monde. En tout cas, nous, dans toutes les pâtisseries, c'est la cardamone. C'est la cardamone. Hein. Voilà. Cardamone, sucre. Cardamone, mais tout ce qui est sucré. Le sucre, les concentrés, puis les épices. Mais des fois, qu'est-ce qu'ils utilisent aussi? Par exemple, tout ce qui est salé, on utilise le cumin. Ah, d'accord. Voilà. Le cardamome, c'est tout ce qui est sucré. Et il paraît que les Indiens sont réputés pour pouvoir manger sucré. Ils aiment ça. Ils aiment ça. C'est pour ça que les Indiens, ils sont un petit peu enveloppés. N'est-ce pas, Toto? D'ailleurs, il me semble que dans les familles indiennes, quand il y a un événement spécial ou un rendez-vous pour un travail ou autre, on a toujours une petite douceur donc, avant de partir à son entretien. Voilà. Voilà, donc c'est comme si ça portait chance. Voilà. Et puis Toto va nous dire, quand on vient chez. Quand on, dans les chapelles et tout ça, on offre des douceurs aussi à Ganesh. Aux divinités. Aux divinités. À Ganesh. Parce que c'est lui qui aimait les petites douceurs, Ganesh. Il faut être doux, chérie, c'est pour ça son les petits. Et après, non seulement ça, qu'on rentre dans une famille aussi, où nous sommes avec une fille ou fiancée, je ne sais pas comment, on veut même un petit gâteau sucré. Ah ben oui. Il faut qu'on commence à adoucir la famille. Ah bon, tu ne penses pas ça alors. On va adoucir la famille, on va adoucir la fille doucement. Est-ce qu'on arrive à faire ce qu'on veut, c'est-à-dire mariage. Voilà. Mariage, voilà. Okay, donc, toi, tu es toujours un petit gâteau. Okay. C'est quoi là? On adoucit toujours le cœur. Le cœur est sensible. Le cœur est sensible. Le cœur a des raisons aussi. Hein. Des fois que la raison, il ne connaît pas. Hein. Mais il va éroder la raison, le cœur. Hein. Ouais. Ah là là, au cœur, ça va mieux. Ah oui.
est bon. Donc là, on commence la préparation pour les goulab jamoun. Donc on prend une petite quantité, on tourne bien dans les mains. Voilà. On répète un petit peu ce qu'il y avait comme pâte là-dedans. Donc, alors, de la farine. Du lait concentré, de la cardamome et puis du beurre. Et du beurre. Voilà, c'est tout. Hein? Et ce petit côté... On ne rajoute pas d'eau, rien du tout. Voilà, ce petit côté brillant là, c'est le beurre qui a. C'est le beurre. Qui fait remonter. On grossit un petit peu, un petit peu plus fort, un petit peu plus fort. Rajoutez direct. Voilà. Que ce soit à peu près cette grosseur là. Voilà, on va faire dans une grosseur uniforme. Voilà. Hein? Et après, on va attaquer pour les bonbons canons. Voilà, très bien. On aura deux bonbons aujourd'hui. Hein? Oui, et voilà. Si on a le temps, on va faire une troisième. Une troisième? Très bien. Elle est bon. Hein? Vous croyez que c'est moi si bon, dis la pitié. Non. Si le temps nous le permet. Si le temps nous permet. Voilà. Et après, avec la grâce de Dieu. Hein? Tout se fait avec la grâce de Dieu. Ok. Voilà. On tourne bien, on fait bien. Ah oui, fais bien la boule comme ça. Voilà, c'est important. Donc là, on va faire moitié, même donne... préparation. Qu'est-ce que ça donne ce petit on fait des boules là. Voilà. Et on a une boule, elle n'est pas boule. Regarde ça. Il faut faire bien rond. Hein. Oh, j'en fais du va-et-vient. Ah, mais va-et-vient. Que ce soit bien calibré. Ah, ah oui. Hein. Après, avec la même base, on va faire moitié donc goulab jamoun et moitié bonbon canon. D'accord. Voilà. Hein. Donc, on vient mettre le plateau. C'est toujours la même base. Hein. Même base, c'est l'avantage. Alors, avec cette pâte. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, la différence, c'est que le goulab jamoun est trempé dans un sirop. Donc, le biscuit absorbe le sirop. Et tandis que le bonbon kalou, donc, c'est trempé dans le sirop de rose et la noix de coco râpée. Ah, d'accord. C'est la différence. Et le goût est différent vraiment. Oui, c'est ça, ouais. Ah, bien, tout ce qu'il dit, il est doux là. Tout ce qu'il est doux, William. Moi, il ne me remarque pas trop. Hein. Mais bon, à nous, on n'a pas des saris pour cacher ça, nous. Ah, n'a pas. À nous, la voix de soc. Sirop de rose. Hein. C'est pour les bonbons calous. Ça, c'est les bonbons calous. Hein. Voilà, ça ressemble à un petit calou. Et c'est plus facile à faire. Hein, que les billes, hein, que les ronds. Hein. En fait, il faut juste avoir le coup de main. Le coup et puis de main. C'est, voilà, c'est vite parti. Oui, oui. Regarde la jeune fille, elle vient de faire pour la première fois. Et ben, elle est sur la bonne voie. Ben voilà. Ouais. D'accord, alors. La préparation continue. Après, ça va être la cuisson. Oui, oui. Donc, friture dans l'huile. Et puis après, on fait passer dans le sirop. Et après, c'est fait à déguster. D'accord, très bien. Voilà. C'est bon? Oui, très bien. On dit là, il commence à cuisson, là. Oui. Alors, hein? On commence à faire frire les petits goulab jamoun. Voilà. Hein? C'est comment ça s'appelle? Le goulab jamoun. Donc là, on passe à la cuisson. On va faire dis-moi plus bien doucement, s'il te plaît. À cause, à chaque fois que mon cousin, on t'a moulé, comment il cause vivement? Quelqu'un m'y comprend. Ah, m'y comprend pas, moi. Alors, le goulab. Alors, on va bien prononcer, donc, pour que monsieur Jean-Claude comprenne bien. Donc, voilà. On va lire goulab jamoun. Goulab jamoun. Très bien. Goulab c'est bien jamoun, ça. Hein? Voilà. N'a un peu dedans dans le goulab. Goulab, Adja, Jamoun. Moun. Voilà. Ça voilà. Moun. Dja, c'est le dieu des Rastas. Moun, nous connaissons. Ça n'a rien à voir. Non, mais étymologiquement, on essaye de décortiquer pour essayer d'avoir une façon un peu mémotechnique de me souvenir. Voilà. Hein, tu comprends là. Hein? Et donc, ça, c'est noyé dans de l'huile là. Ah, oui, c'est frit dans de l'huile et il faut que ce soit cuit de tous les bords. Parce que là, par exemple, là, ça commence à frire, mais il faut que ce soit bien rose partout. Des fois, ça peut avoir une petite couleur blanche, mais il faut que ça soit bien frit. C'est pour ça qu'il faut tourner pour que ça ce soit homogène la cuisson et que ce soit bien doré partout. Voilà. D'accord, donc, j'ai une apprentie à côté de moi, et ça va être une future pâtissière, je pense. Oui. Hein. C'est sûr? Elle a le bon coup de main et elle apprend vite la technique. D'accord. Je confirme. Hein. Tu n'avais pas un petit coucou à faire à sa maîtresse d'école, toi? Ah non, c'est pas moi, c'est la Jenny. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Mais un coucou quand même à toutes les. Un coucou à l'école, hein? À toute l'école. Oui, d'accord? À toute l'école. Voilà. La bonne cuisson, Jean-Claude. Ah ouais, c'est quand il y avait cette couleur-là. Voilà. Hein. Tout est doré pareil. Bon, on va dire, Randy Ladevi, qu'il arrive à la couleur d'un longani, il reste un petit peu trop au soleil. Ça hein. Même. Ah, oui, ça, hein. Ça même. Voilà. Effectivement, j'avais pas pensé à ça. Un longani, il reste un petit peu au soleil. Un joli longani, par contre. Voilà, c'est un joli longani. Un longani brésilien, ça. Voilà. Pas le gros longani, là. Hein. Tu connais le longani brésilien? Non. Hein, mais je connais l'Ongani. Hein, Australien. Ah, c'est pas brésilien, c'est australien. Australien, hein. Oui, australien. Non, Brésil est trop loin là-bas, il n'y arrive pas jusqu'ici. Il y a des très gros sangas.
Ah bon? C'est bon pour nous, donc là c'est bon. Donc là on continue la cuisson. Voilà, on continue la cuisson. Hein. Voilà. Hein. Et tu disais que l'on gagne. Donc quand c'est comme ça, on gagne australien et c'est très gros. C'est bon. Oui. Mais quoi on fait c'est après bon, avec notre petit longani de la Réunion? Mais en fait, il n'existe pas de longani de la Réunion. Tout comme il n'existe pas de litchi de la Réunion, parce que c'est des arbres qui ne sont pas endémiques à l'île de la Réunion et qui ont été rapportés dans les années 1750 à 1850. On confirme, hein, c'est bien hein, ça. Et qui a été planté à la, ici dans les grandes propriétés terriennes, le longani et le litchi. Qu'est-ce qui est endémique à la Réunion alors? Oh, ouais, bon, on a notre tamarindéo qui est endémique. Oh, ici, oui. on a je ne sais plus moi. Ah oui, le palmiste rouge qui est endémique ici à la Réunion. Et au niveau des épices, non, on n'a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Tout a été importé. Parce que la Réunion est un pays qui est jeune, quand même. Hein. Après, ben, tout vient de l'Inde ou des pays de l'Asie. Donc, voilà, les épices, en général, viennent de l'Asie. De tous les pays, d'ailleurs. De tous les pays, ouais. Madagascar, beaucoup de girofle, de vanille. Oui. Hein. Oui, parce que même la vanille bourbon, qu'on appelle, qui est très bon ici, là, n'est pas endémique à la Réunion. Hein. Oui, c'est vrai. Ça change de couleur vite fait alors, hein? Ça va vite quand l'huile est chaude. Il faut bien tourner. Voilà. On va appeler ça longani de la Réunion alors. En tout cas, il y a une très bonne odeur de cardamome, donc d'épices indiennes. C'est bien parfumé. C'est bien parfumé. Comme quoi, il faut bien écraser avec le lami. Oui, voilà. Avec le lami. Hein? Voilà. Ouais. Le goût est meilleur. Le goulam jamun est prêt. Donc là, le gâteau. Et alors le mettre dans du sirop, hein? C'est-à-dire de l'eau avec du sirop. L'eau et le sucre. Voilà. Et là, ça va absorber, le gâteau va absorber et là, ça va être délicieux. Voilà, donc ça, c'est de l'eau et du sucre seulement. Voilà, hein? Ça, c'est le gulab jamun et là, des kalous. Donc là, et les kalous, on fait revenir pareil. Voilà. Hein? Exactement. Et comme... après, ça va être trempé dans du sirop de rose et tourné et enroulé dans la noix de coco râpée. Voilà. Hein? Voilà. D'accord, alors on a une partie ici, on dirait du pain grillé. Voilà, tu trouves tous les mots qu'il faut. Le longani, le pain. Ouais, mais je suis comme ça, moi j'arrive à faire des parallèles, des parallaxes, hein, ou des parallépipèdes aussi des fois. comprends? Bon, Jean-Claude, comme d'habitude, tout dans la bonne humeur. Hein. Bien sûr, voilà. bien sûr. On commence bien la nouvelle année, nous. Hein. Voilà, 5122. Voilà, hein. Et comme on dit, Utandu nal vashtokal. Ah, on l'a rajouté un mot là, comme tu connais pas. Utandu nal vashtokal. Ah, le nal c'est. Le nal c'est très bonne année. Ah, très bonne année. Utandu nal vashtokal. Ou sinon, nal vashtokal. D'accord, bonne année. Très bien. Okay. T'as vu, on est à 5122. Hein? Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Oui, effectivement. Hein? Imagine le temps des pyramides. Hein? Quand ils ont construit les pyramides, c'était l'an 0 en Inde. C'est vrai. Et tu savais que l'Inde hein, est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille religion qui existe dans le monde. Oui. Donc, comme l'année calendaire, là, c'est une année tamoule, ça, c'est une année religieuse, hein, 5122, exactement comme l'année chrétienne. Hein, oui. On est en 2021. Oui. Et ben, imagine, ça fait plus de 5000 ans que la religion tamoule existe. Oui. Donc, ça fait d'elle l'une des plus vieilles religions sur cette terre. Oui. Voilà. Et les plus belles philosophies viennent de l'Inde aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr. Hein, au fil de ces années-là, ils ont su apprendre et connaître tout ce que la vie. Hein, et donc, à passer des messages pour rendre la vie meilleure. Mais d'ailleurs, quand les gens ils vont pas bien, donc ils se rendent en Inde. Hein, ouais. ils vont faire un pèlerinage. Pour bénéficier de tout ce qui est... les massages ayurvédiques, tout ce qui est philosophie, le yoga, surtout le yoga. Hein. Voilà. Méditation. Bon. Oui. Sans oublier la cuisine, hein, qui est très bon pour la santé, beaucoup épicée, mais bon pour la santé. Exactement. Voilà. Bon, nous, on revient à nos pâtisseries. Hein. Voilà. Bon, la finir alors? Oui, à tout à l'heure. Oui. Dernière cuisson. Et là, on va terminer donc avec le bonbon canon. On va juste mettre un petit peu de coco râpé, un petit peu comme ça. Hein. Oui. Là, ou sinon, tu mets là-dedans. Mets là-dedans. Oui. Et je vais mettre un peu de sirop de rose là-dedans et on va tremper le sirop de rose et la noix de coco. Et après, on aura notre pâtisserie à déguster. Voilà. D'accord. Tu mets pas beaucoup. Hein. D'accord.
Encore un petit peu. Voilà, c'est bon, c'est bon. Au fur et à mesure, on va rajouter. Et juste si tu peux ouvrir la petite bouteille de... Là, c'est bon pour la quantité. On va rajouter après Simon. D'accord. Et voilà, on est sur la fin. Alors, d'abord, le sirop de rose. Par exemple, je vais mettre, voilà. Hein. Oui. Là, on met trempé. Hein, trempé dans le sirop. Voilà, il faut que ça, après, ça absorbe un petit peu le sirop. D'accord. Je vais faire avec les doigts. Hein. Mes doigts sont propres de toute façon. Oui, voilà. Oui. Voilà. D'accord. Et là, je l'ai mis dans le... Voilà. Ensuite, le surplus de sirop de rose qu'on va faire, je vais mettre dans la passoire. Oui. Parce qu'il y aura toujours un surplus, on ne va pas pouvoir bien... voilà. Donc là, on va mettre là-dedans. Bien égoutté. Et là, il va tomber dans le... Voilà. Le surplus, donc, va... Il va être réutilisé. On va tomber dans un autre récipient de four. Il va être réutilisé, donc, pour l'autre partie. Donc, est-ce que tu peux juste rajouter encore 6 là-dedans? Donc là, c'est bon. Une fois que c'est bon, donc là... Ce qu'on fait, on tourne donc dans la noix de coco. Et là, on a notre bonbon cadeau prêt à déguster. D'accord. Bon appétit. Merci. Et ça se conserve un peu, ça? Ça se conserve dans une boîte hermétique. Oui. Donc, ça se conserve, c'est des biscuits qui se conservent une semaine. Une semaine. Voilà, une semaine. D'accord. Voilà. Après, les personnes peuvent mettre au frigo en cas de besoin. Ouais. Les ladoux, pas... mais aussi les... Les goulags jamon, ça se conserve à l'extérieur dans une boîte hermétique. Avec le sirop, hein. Il faut que ce soit dans le sirop. Si ce n'est pas dans le sirop, par contre, il faut mettre au réfrigérateur que ça se conserve. Voilà. Ok. Maintenant, donc, voilà, maintenant, est-ce que tu veux mettre dans le sirop ou tourner dans le coco? Je vais mettre dans le sirop. Très bien. Ben, moi, je vais tourner dans la noix de coco. Voilà. Et ben voilà. On a fini les deux alors. Voilà, on a fini nos pâtisseries. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir de partager donc les connaissances. Et c'est une recette facile, accessible à tout le monde. On était avec, rappelle-moi un petit coup. Alors, dis-moi. Hein? On était avec. Avec ça commence par un J, ça finit Beaucoup par. Jamou? Ah, non, avec toi. Avec Janie. Janie. Hein? Voilà, J A. J A N I E. N I E. Voilà. Voilà. On termine. On termine. Hein? Bon ben, merci beaucoup, Janie. Hein? Au contraire, c'est un merci, plaisir. Merci, Rachel Soyez. C'était avec un plaisir de partager cette cuisine avec elle. T'as vu comment elle parle bien. Très bien. Je pense que ça va être une future pâtissière. Hein. Voilà. Oh là là. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on partage nos connaissances. Si on veut que notre jeunesse réussisse. Voilà. D'accord. Mais bon, ben, à bientôt alors. À bientôt. Une prochaine fois pour d'autres gâteaux. Très bien. Et bonne dégustation. Merci. Là, c'est nos ladoux à la noix de coco. C'est ladoux alors. Hein? Ladoux à la noix de coco. Tout à l'heure, c'était des cailloux. J'ai l'eau à la bouche déjà. Ah, c'est bien. Ils sont mangés. Mais là, mon Dieu, ça donne envie. Hein. Bon, Julie, il faudra goûter quand même. Ah, mais écoute, même si on mange pas tout à l'heure, mais il va goûter quand même. Ah, peut-être pas le carré, mais les pâtisseries. Mais les pâtisseries, vous avez plaisir. Ça, c'est clair. Parce que là, c'est les douceurs pour la bonne année et ça nous porte bonheur et porte chance. Et c'est important. C'est important. C'est important. D'accord, et c'est important de noter aussi, donc les petites douceurs, ça fait partie intégrante de la bonne année et c'est important d'en consommer. C'est ce que je disais à Jean-Claude tout à l'heure, dans les familles indiennes, quand il y a par exemple une bonne occasion, par exemple un enfant va pour une audition, pour un emploi, et bien les parents, le matin avant de quitter la maison, on offre toujours une sucrerie. Voilà, une petite douceur et ça porte chance. D'accord, ben, très bien. Et bien entendu, Ganesh aimait les douceurs. Ah, bien sûr, hein? Les petits ladous surtout. Les petits ladous, hein. Ah bon. Ou c'est pas on ça? On va confirmer tout à l'heure. Hein. D'accord, allez voir. Et oui, voilà. Alors on a fini la préparation, la cuisson pour les trois pâtisseries indiennes. Voilà. Donc, alors je vous présente les pâtisseries. Donc, ça, c'est le goulag jamon. Mais attends, avant de présenter, présente à nous la personne qui est avec vous. Alors. On a monsieur le maire avec vous. Ah, ben, bien sûr, c'est un plaisir. Alors, à mes côtés, j'ai monsieur le maire. Donc, Joël Bédier. Bonjour. Voilà. Tout le monde, tous les Réunionnais le connaissent quand même. Bien sûr. Moi, je suis une simple Réunionnaise, mais j'aime tous les Réunionnais et j'aime partager mon savoir. Voilà. Donc, là, ce jour, c'est d'autant plus, c'est la pâtisserie. Donc là, aujourd'hui, on va faire goûter nos pâtisseries à l'occasion du Jour de l'Amour. Voilà. Donc, 5122. Voilà, donc, voilà. Tout de suite, je dis à tout le monde bonne année. Nala, pour ton lovage tout cœur. Ok, d'accord. Et monsieur le maire, hein, Janie m'a dit tout à l'heure hein, qu'elle enseigne aussi le fait de la préparation de ses pâtisseries. Et elle m'a dit aussi tout ce qui n'est pas enseigné est perdu.
un petit peu comme tout ce qui n'est pas donné est perdu. Hein? On est d'accord, Guy? On est totalement en phase. Totalement. Mais je voulais juste reprendre un petit truc qu'elle vient de dire. Elle vient de dire qu'elle est une simple réunionnaise. Moi, j'ai envie de juste te dire que tu es une réunionnaise. Oui, une réunionnaise. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Pas une simple réunionnaise. Voilà. En tout cas, merci. C'est quelque chose qu'on aime bien, ça, les petits gâteaux, les petites pâtisseries. Miaou, Jean-Claude, que depuis 3 jours, oui. On l'a avalé quelques-uns comme ça. D'accord. En tout cas, on va profiter aussi pour peut-être dire une bonne année à les gens de Saint-André, à La Réunion. Et puis après, tous les tamouls de tout à fait. Ancien. Mamie, voilà, m'y souhaite vraiment une bonne année à tous. À toute la communauté tamoule de La Réunion et de Saint-André en particulier, puisque c'est là où m'y habite et où m'a les mères, et leur dire une bonne année, la santé avant tout, et puis la prospérité, plein de bonnes choses, sachant que nous, dans un contexte sanitaire que les difficiles, les compliqués, mais si nous tous y mettons ensemble, moi, je pense que l'année prochaine, nous va faire ça de plus belle manière, et les petits gâteaux vont se multiplier, n'est-ce pas? Bien sûr, je confirme. Oui, tout exactement, à fait. Hein? Et puis voilà, moi, c'est ce que je voulais dire pour à toute la communauté. Hein. Moi, je les côtoie tous les jours, et comme ils viennent d'Azot, ces petits gâteaux que m'y voient devant moi, là, me la mange beaucoup ces 3 derniers jours. Et me les pas malade, et comme on voit Jean-Claude. Non, mais elle est gâtée par la nature, hein, c'est oui, ça. Oui, voilà. On va dire comme ça, voilà. Donc nous, ça va être, on va manger, mais avec modération. Voilà. De bien. Tout, mais avec modération. D'accord. Voilà, on prend soin de nous. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Et encore bonne année à tout le monde. Oui, bonne année. 5122. Oui, 5122. Merci pour tout.